Salut les amoureux et amoureuses de foot, on commence ce flash info avec 5 raisons qui rendent cauchemardesque la vie de Cristiano Ronaldo depuis son deuxième passage à Manchester United. Cristiano Ronaldo a achevé son retour de conte de fées à Manchester United en 2021, mais cela s'est depuis transformé en quelque chose d'un cauchemar. Bien qu'il ait marqué 24 buts toutes compétitions confondues en 2021 à 2022, Ronaldo a souvent fait figure de frustré à Old Trafford, et il a terminé une saison sans trophée pour la première fois depuis 2010. Le joueur de 37 ans a tenté de quitter Manchester United avant la saison 2022 à 2023, et aurait fait pression pour un départ dans la fenêtre de transfert de janvier. Ces 5 raisons pourraient pousser l'attaquant des Red Devils à devenir mécontent à Old Trafford. Première raison, absence en Ligue des Champions. Commençons par une évidence. Cristiano Ronaldo a été surnommé Monsieur la Ligue des Champions, en raison de son succès sans précédent dans la compétition, tant au niveau des clubs qu'au niveau individuel. L'international portugais est le meilleur buteur de tous les temps de l'histoire de la compétition avec 141 buts, et a soulevé le trophée à 5 reprises. Après avoir été incapable de mener la Juventus à la gloire européenne, il est revenu à Manchester United en 2021, et aurait estimé qu'il se dirigeait vers une nouvelle ère de succès après avoir terminé deuxième de la Premier League en 2020 à 2021. Mais Manchester United a terminé sixième de la Premier League en 2021 à 2022, et s'est qualifié pour la Ligue Europa plutôt que pour la Ligue des Champions. Après avoir joué dans la compétition de clubs d'élite européenne pendant 19 saisons consécutives, la tentative de Ronaldo de quitter Old Trafford cet été aurait été motivée par son désir de représenter une équipe qualifiée pour la Ligue des Champions. Il a depuis marqué 2 buts en Ligue Europa, mais craindrait que Lionel Messi ne le dépasse dans le classement des buteurs de la Ligue des Champions. La journaliste de Sky Sport News, Melissa Reddy, a déclaré « Il veut atteindre des records en Ligue des Champions qu'il pense que personne d'autre ne pourra atteindre à l'avenir. Il veut signer au plus haut niveau absolu. » Deuxième raison, manque de temps de jeu. Tout au long de son illustre carrière, Cristiano Ronaldo a sans surprise été l'un des premiers noms sur la feuille d'équipe d'un manager. Ronaldo a fait 38 apparitions dans toutes les compétitions pour Manchester United la saison dernière, mais en 2022 à 2023, il s'est retrouvé dans la position inhabituelle d'être assis sur le banc. L'attaquant n'a débuté que 4 des 13 matchs de Manchester United en Premier League cette saison, et a fait 6 apparitions en tant que remplaçant dans la compétition alors qu'Eric Ten Hag tente de construire une équipe capable d'appuyer haut sur le terrain. Bien qu'il ait 37 ans, il ne veut pas accepter un petit rôle chez Manchester United. Ronaldo aurait le sentiment qu'il est toujours capable d'opérer au plus haut niveau et d'apporter une contribution significative dans les grands matchs. Interrogé sur Ronaldo après la défaite 6-3 de Manchester United contre Manchester City, Eric Ten Hag a déclaré « Il n'est pas content de ne pas avoir joué dimanche, ne vous méprenez pas. » Mais la question portait sur son humeur à l'entraînement, où il est heureux. Bien sûr, il veut jouer et il est frustré quand il ne joue pas. Sa frustration a débordé lors de la victoire 2-0 de Manchester United sur Tottenham alors que l'attaquant a pris d'assaut Old Trafford après avoir refusé de se présenter dans les dernières minutes. Troisième raison, coéquipiers unis. Selon un nouveau livre, Messi vs Ronaldo, One Rivalry, Two Goats, and the Era That Remade the World's Game, Cristiano Ronaldo a contesté l'engagement de ses coéquipiers United, et pense qu'il manque de dévouement pour rester en forme. Le Daily Mail ajoute que l'attaquant s'est plaint en privé d'être l'un des seuls joueurs de l'équipe à se rendre au gymnase pour faire un travail supplémentaire avant et après l'entraînement à Carrington. Lors d'une interview avec Premier League Productions en janvier, il a également semblé critiquer les jeunes joueurs dans le vestiaire. Cristiano Ronaldo a déclaré « Les joueurs matures, les joueurs plus âgés peuvent toujours aider les jeunes joueurs. Mais, je peux te donner un exemple, si je te donne des conseils, même si tu es plus jeune que moi et si tu n'implantes pas ça dans un quotidien ça va être difficile. Vous pouvez parler toute la journée avec cette personne. S'il ne vient pas de l'intérieur de vous, c'est impossible. Je me souviens quand j'avais 18, 19, 20 ans, certains anciens joueurs m'ont parlé et j'ai dit « Cristiano, tu sais que tu dois t'améliorer. Ils en savent plus que vous, ils ont plus d'expérience que vous. Ils ont traversé de nombreux mauvais moments. Mais les autres, ils n'acceptent pas ça si vous les critiquez. Je ne dis pas cela par rapport à nos joueurs mais en général. J'ai des enfants, je sais. Parfois quand tu es un peu plus dur, ils font le contraire, il faut trouver le bon équilibre pour parler avec eux. Mais à mon avis, le point principal est que cela devrait venir de l'intérieur de vous. Tu devrais être fier de toi, te regarder dans le miroir et dire, écoute, j'ai tout donné. Et je pense que nous devrions tout le faire. Selon le Manchester Evening News, Ronaldo soupçonne maintenant que certains joueurs de Manchester United ont tenté de saper sa position parmi ses pairs. Quatrième raison, manager manage. Cristiano Ronaldo n'a travaillé que sous Sir Alex Ferguson lors de son premier passage à Manchester United, et a souvent décrit sa relation avec le légendaire manager comme un lien père-fils. Depuis son retour à Old Trafford,
L'international portugais a joué sous trois managers différents et a eu des problèmes avec chacun d'eux. Alors que Ronaldo entretenait de bonnes relations personnelles avec Ole Gunnar Solskjaer, le Manchester Evening News a affirmé que Ronaldo était rapidement parvenu à la conclusion que Manchester United ne réussirait pas avec le Norvégien en tant que manager. Selon certaines informations, il était alors en désaccord avec Ralf Rangnick quant à la manière dont la formation devait être menée, et a convoqué une réunion avec le manager pour demander un changement de tactique. ESPN ajoute que Ronaldo a menacé de quitter Old Trafford si Rangnick obtenait le poste à Manchester United de manière permanente. Erik ten Hag a pris le relais cet été et a marqué son autorité en nommant Ronaldo sur le banc lors de 8 des 13 matchs de Manchester United en Premier League cette saison. Selon The Times, Ronaldo estime que son manager est beaucoup trop têtu et inutilement attaché aux tactiques qu'il a utilisées à l'Ajax. Il s'est également plaint de la nature et de la qualité des séances d'entraînement de ten Hag. La relation entre les deux hommes a semblé toucher le fond après que Ronaldo ait refusé de jouer contre Tottenham, et ten Hag serait prêt à le décharger dans la fenêtre de transfert de janvier. Cinquième raison, installations unies. Parallèlement aux problèmes sur le terrain, Cristiano Ronaldo aurait été déçu par la baisse des normes dans les installations de Carrington et d'Old Trafford. Ayant bénéficié d'installations d'entraînement à la pointe de la technologie au cours de ses trois années à la Juventus, il a estimé que les installations de Manchester United n'étaient pas à la hauteur d'une institution sportive de premier ordre. Selon The Athletic, l'international portugais a remarqué que la piscine et le sauna du club n'avaient pas été rénovés depuis qu'il avait quitté le club en 2009. Le Daily Mirror ajoute qu'il a refusé d'utiliser la piscine parce que les carreaux lâches, ébréchés, et manquants posaient un risque pour la sécurité. Bien que Manchester United ait apporté des modifications provisoires à la suite des plaintes de Ronaldo, le complexe d'entraînement de Carrington fait encore pâle figure par rapport aux autres grandes équipes européennes.